Christophe Partilleux. Je suis guitariste leader du groupe Latch Room et donc dans ce projet actuellement avec Petit Sandy qui est clarinettiste, Vincent Frade qui est batteur, Benjamin Abrol qui est à la guitare rythmique, qui est un enfant aussi du pays, hein, qui habite à Troyes, et puis ma fille Déborah l'artilleux. Et donc en fait, sont pour une partie des musiciens qui ont tourné avec moi le film Django. Voilà. Cette musique, en fait, c'est Django Reinhardt qui a tout inventé. Hein. C'est du jazz manière Django, donc c'est du swing. C'est un mélange en fait de jazz américain et de swing à la française. Hein. Et donc ça se joue principalement avec deux guitares à la base parce que Django était accompagné par son frère Joseph Reinhardt. Et donc ils ont inventé ça dans les années 30. Quoi. Donc en France, en ayant écouté auparavant quelques disques d'Armstrong et de Ellington, et donc Django a adoré cette musique et en fait il l'a transformée, il a fait en fait son propre, il a créé son propre jazz et qu'on appelle aujourd'hui le jazz mambo. En ce qui concerne mes projets futurs, là j'ai écrit avec un arrangeur qui s'appelle Fred Hamann et l'orchestre Viva de l'Opéra de Reims. La suite du Requiem de Django Reinhardt, qui a été perdu en 1943-44, donc pendant la guerre. Et donc, en fait, c'est l'histoire du film. Et donc, avec l'orchestre classique, et ben, on a réécrit la suite, donc en imaginant, en fait, la partition perdue. Voilà, donc, et on a fait déjà deux concerts, dont un à l'Opéra de Reims, une salle comble parce que les gens attendaient tellement cet événement, quoi. Donc c'était vraiment super. Et donc là, ben, on est en prospection, donc en espérant évidemment que les concerts vont reprendre un jour, et donc pour jouer ce futur projet, quoi, donc, qui est complètement en attente. C'était lors du tournage du film de Django, en répétition, où il fallait qu'on joue en situation de concert, devant à peu près 500 Allemands. Et donc c'est tourné dans une salle qui ressemble au Folies Bergères. Hein. C'est la première scène du film, et là je me suis retrouvé en fait devant tout un public d'Allemands. Et j'étais très 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 ému parce que le public s'est levé et m'applaudissait, mais il disait Django, Django, Django. Voilà, donc et là je me suis mis un instant à la place de Django, sur scène, et j'ai imaginé ce qu'il a dû ressentir en fait à l'époque, ce qu'il était obligé de jouer pour les Allemands qui occupaient donc Paris. Enfin, c'est un standard de jazz en fait qui relie aussi mon travail, parce que je suis sur une reprise de Django Reinhardt où je travaille principalement en solo, c'est sur blues clair, et donc c'est beaucoup de pratique parce qu'il faut jouer tout avec deux doigts, le premier et le deuxième, avec ce majeur. Et donc, ben, c'est, voilà, ça tourne en boucle, en boucle. Et puis, je relève toutes les notes du solo pour le jouer certainement ben, au Festival de guitare du monde. Alors, un petit mot pour le public, oui, bien sûr, parce que ça fait plus d'un an qu'on ne travaille plus et donc on note. Priorité en fait, bah, c'est d'échanger. Tout musicien, enfin tout artiste aime donner au public. Et là, c'est très compliqué parce que on s'entraîne à la maison, on fait peu de répétitions et donc et on joue pour personne. Voilà. Donc on a hâte de vous retrouver tous.